Salut tout le monde. Voilà, nous sommes de retour sur Jim Kunga Tutoriel. Nous allons faire une petite formation rapidement. Nous allons donc corriger ce qu'on avait fait la semaine passée. Je crois qu'il y a cela un jour passé. Voilà, je vous avais montré comment peut-on donc calculer les coefficients de l'acidité du sol agissant sur la longrine dans Robust Structural Analysis. Voilà, tout a été bien fait, mais sauf qu'il y avait une erreur de calcul. C'est ce que je veux que nous puissions corriger ensemble avec vous. Je crois que beaucoup parmi vous n'ont pas prêté en tout cas l'attention. Et comme la vidéo, je la faisais pendant la nuit, un peu fatigué là. Et au moment des calculs, j'avais commis une petite erreur de calcul ici. Comme ça, je voulais vous montrer comment peut-on donc corriger ça rapidement. Voilà. Alors, je m'en vais directement là où on était en train de calculer donc ces coefficients. OK. Voilà, c'est à ce niveau ici. Alors, vous allez remarquer que lorsqu'on avait calculé donc le poids des murs, à ce niveau, tout a été donc bien calculé, puisque je vous avais dit que le 9 kN par mètre cube ici, c'est donc le poids spécifique du béton non armé. Voilà, les 0,15, vous avez donc l'épaisseur des blocs. Et puis, ça, c'est justement, donc, c'est la hauteur du sous-plancher au niveau de rez-de-chaussée. De l'autre côté, ici, vous avez donc la hauteur du poutre, ainsi que l'épaisseur de la dalle. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faudrait que vous puissiez déduire dans l'épaisseur de la dalle au niveau de la hauteur de notre poutre. Ça a été bien fait. Mais, sauf qu'à ce niveau ici, les calculs n'étaient pas, donc, les calculs n'étaient pas corrects. Puisque regardez ce qu'on avait pris ici, donc on avait multiplié encore, on avait pris donc les 4 mètres la hauteur du plancher RDC, on avait multiplié ça par 0,30 mètres, ce qui n'est pas du tout normal. Vous voyez? Alors ce qu'on allait faire ici, il a fallu que nous puissions soustraire ça, donc moins les 0,30. Attendez, nous allons reprendre les calculs rapidement avec vous. Voilà, nous allons reprendre les calculs. Et nous allons appliquer à nouveau donc ces coefficients et puis on passe directement au dimensionnement. Voilà, donc déjà ce qu'il fallait faire ici, si vous prenez donc le 0,45, vous soustrayez donc le 0,15, ça fait 0,30. Là c'est correct, mais ce qu'il fallait maintenant corriger c'est ça. Donc ici ce n'était pas la multiplication. Ok, il a fallu que vous puissiez maintenant soustraire ça, donc c'est la soustraction. Donc, ce qu'il fallait prendre, on allait donc prendre maintenant les 4 mètres moins les 0,30. Donc, ça fait directement 3,70. Et donc, cela revient à dire quoi ici? Ici, donc, on aura 3,70. 3,70 mètres. Voilà. Alors, maintenant, nous allons calculer l'ensemble. Donc, on aura donc 9 kN par mètre cube qu'on va multiplier par 0,15. Multiplié par 3,70 mètres. Voilà, ça fait 4,995. Ok, donc ça fait 4,995. C'est ce que je devais avoir ici. Donc 4,995. Voilà, kilonewton par mètre. Là maintenant c'est bon. Alors, le poids de la longrine, ici tout est correct. Alors, c'est juste question maintenant de prendre donc le poids total, donc ça sera dans le poids du mur, qui n'est rien d'autre que la valeur trouvée ici. Donc, on aura 4,995 kN par mètre, qu'on va maintenant additionner par 2,1875. Plus 2,1875. Voilà. Ça me fait combien ici? Et ça donne la valeur de 7,1825. Je peux arrondir ici, donc je prends directement 7,18. Donc, c'est-à-dire le total ici, donc j'aurai 7,18 kN par mètre. Voilà, kN par mètre. OK? Dans la valeur ici, on a 7,18 kN par mètre. Donc, voilà ce qu'il fallait faire.
Alors, c'est cette valeur maintenant je vais utiliser pour insérer de l'autre côté afin de calculer maintenant les coefficients de la cité du sol. Alors, je le fais rapidement, je vais rentrer rapidement ici. Déjà, c'est niveau ce que je suis obligé de faire. Alors, je m'en vais d'abord sur structure, je prends caractéristique additionnelle, je prends sol élastique. Déjà ici, je peux supprimer d'abord. Supprime ça. Maintenant, c'est que je veux faire c'est quoi? Bon, ça, j'enlève d'abord. Tout ça, je peux enlever. Je peux cacher même les tout. OK. Alors, je vais sélectionner d'abord toutes les longueries. Je rentre ici, je prends structure. Je prends structure, caractéristique additionnelle. Voilà, je prends ça. Je viens de double-cliquer d'abord ici. Voilà, je vais maintenant réfuser ce que j'avais inséré. Donc, je mets 0 comme valeur KZ. Et puis, j'applique. J'accepte cette modification. OK, j'annule. Vous allez remarquer ici que les coefficients d'élasticité du sol que j'avais inséré viennent de partir, puisque j'ai mis comme valeur 0. Alors, je reprends maintenant l'opération, je sélectionne ça rapidement. Je viens toujours sur structure, je prends caractéristiques additionnelles, sol élastique. Voilà. Maintenant, je vais créer nouveau sol élastique. Cette fois-ci, les noms, je peux changer. J'écris seulement sol élastique. Voilà, sol élastique. Je vais cliquer sur coefficient d'élasticité du sol. Voilà. Je vais d'abord insérer les différentes couches du sol ici. Ce que j'avais utilisé, premièrement, j'avais pris argile très argile et limo ferme. Bon, je prends d'abord argile et limo mou. Deuxièmement, je prends argile et limo ferme. Troisièmement, je prends argile très ferme et dure. Voilà. Et si je prends, je descends jusqu'à 2 mètres, comme on l'avait fait. OK. Je crois là, c'est bon. Alors, maintenant, la valeur que je vais insérer ici, je prends maintenant la valeur que nous venons de calculer, 7,18 kN par mètre. Donc, j'aurai une valeur de 7,18 kN mètre. OK. Là, c'est bon. Alors, les A ici, donc je prends 25, la base de la longueur, et puis sa hauteur c'était de, je crois, une hauteur de 35, donc 0,35. Je confirme, c'est bon. Ok, voilà. Déjà, vous allez voir que la valeur aussi vient de changer, hein. Et donc là, c'est bien. Déjà, donc, ok, ça je peux fermer, j'ajoute. Ça également, je peux fermer et puis je viens ici pour appliquer. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Regardez, donc je viens de modifier ça. C'est ça. Voilà. Et après, maintenant, je peux soit relancer les calculs. Je relance les calculs. Attendez, je vais vérifier. Patiente d'abord un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je viens, je vais prendre résultat, diagramme bas. Je prends d'abord moment, suivant donc les trois directions. Voilà, je prends suivant la direction de Y. C'est là où j'aurai la plus grande valeur. Déjà, ces niveaux, vous aurez la possibilité de voir pour les tout, hein. Voilà, j'ai la possibilité de voir les tout. Et ça sera un peu compliqué pour moi d'analyser seulement au niveau de la longueur. Tandis que moi, je vais chercher maintenant la longueur la plus sollicitée, afin de passer directement au dimensionnement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais l'isoler. Je sélectionne seulement la longueur et puis je l'isole. OK. Déjà, ces niveaux, donc, ça me donne la possibilité de bien analyser. J'applique encore. Je peux augmenter un tout petit peu la taille des diagrammes si je veux. Voilà. Là, c'est un peu trop. Je diminue un peu. OK. Voilà. L'enlire est là. On va d'abord sur paramètres, je peux différencier, uniformiser ça. Voilà. Voilà. Déjà, ces niveaux, je vois très bien que
Le moment max que j'ai trouvé ici, c'est un moment que j'ai trouvé en travée. Mais le moment min, c'est au niveau de l'appui. Regardez, le min est là au niveau de l'appui. Max, c'est en travée. OK? Attendez, je clique d'abord à vue d'ici. Regardez bien. Vous avez donc, j'ai trouvé la valeur du moment max. Donc, en travée. Mais la valeur du moment min, je l'ai trouvée donc aux appuis. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour les dimensionnements, je suis obligé maintenant de prendre la plus grande valeur, que je peux prendre ça en valeur absolue. Comme vous le savez très bien, lorsque vous dimensionnez donc une poutre, c'est-à-dire vous avez premièrement la possibilité d'analyser la valeur du moment que vous trouvez donc en travée. Vous calculez d'abord en fonction de ça, ou notamment vous prenez aussi la valeur au niveau de l'appui. Regardez ici maintenant, si je vais dimensionner dans cette poutre, cette longrine la plus chargée, je vais prendre tout simplement cette file, hein, comme je vais là. Mais la valeur que moi je vais considérer, c'est cette valeur. La valeur de moins 12,53. C'est cette valeur que moi je considère que je prends en valeur absolue. Donc ça sera 12,53. Et non la valeur que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Déjà par rapport à ces cas, vous allez remarquer que les deux valeurs, donc c'est sur la même poutre en fait, fil. Vous voyez? Mais ça peut arriver que vous trouvez la valeur de moment max. Peut-être donc à ce niveau ici et le min de l'autre côté. Là, ce qu'il faut prendre maintenant, vous êtes obligé de considérer donc la plus grande valeur, même si c'est en valeur absolue, même si c'est ayant une signe, donc un signe plutôt négatif. C'est ce que vous allez prendre, mais vous prenez ça maintenant en valeur absolue, donc ça sera donc la valeur des moments au niveau de l'appui. Et donc, ce que moi je fais pour dimensionner maintenant, je vais sélectionner que ça. Sélectionne donc cette file. Voilà, donc je prends que cette file. Voilà. Et puis, je passe directement au dimensionnement. Je prends donc dimensionnement. Ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Voilà, et puis je clique sur OK. Voilà. Regardez ce que je viens d'obtenir. OK. Et après, ici, je peux fermer. Je laisse tout comme ça par défaut. Sélectionner les trois. Bon, même les noms aussi, je laisse. Hein. Je ne modifie rien ici. Je prends paramètres de l'étage ici. Donc, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Disons comme au niveau du seuil 0,0. Donc, je laisse comme ça par défaut. Fissuration P préjudiciale milieu non agressive. J'accepte. Option de calcul. Et je prends d'abord béton ici. Poids volumique, je prends 2500. Diamètre du granulat qui prédomine, je prends 25. Je prends 25. Acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Barre, je vais travailler avec 10 et 12. Acier transversal, je prends barre des 6. Acier additionnel ou armature additionnelle, je prends 10 et 12. Je clique sur OK. Option des calculs, c'est ce que je viens de faire. Disposition de ferraillage. Ça sera par fil. Réplisse de bétonnière, je prends oui. Voilà, ici, c'est bon. Je laisse espacement minimal, les maximales 15, donc 10, 15, ça me va. Présence de barre chapeau. Alors, le barre bateau, ça dépend. Je laisse comme ça, je pourrais voir ce que le logiciel va me proposer. Ici, je prends donc 2 max au niveau de l'i. Supérieur aussi, je prends la même chose. Voilà, la base ici, je sais que la base au niveau de mes colonnes, c'était de 20-30, donc je prends 20. OK. Et quoi encore? C'est bon déjà ici. Bon, l'espacement, je laisse comme ça. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer. C'est bon. Épingler contre les poussées vide aussi, c'est bon. Voilà, ici également, je laisse, c'est bon. La réservation, je n'en ai pas besoin pour créer donc les ouvertures. Options géotechniques. Bon, les coefficients ici, je peux augmenter. Je prends même 1,50 ou 1,25. Je prends 1,25. La contrainte ici, des laboratoires. Voilà. OK. Je prends analyse, paramètres de dessin. Voilà. Nombre, diamètre, espacement. Type d'acier aussi. OK. Alors, si je vais importer ou insérer directement des logos, par exemple les logos de l'entreprise ou des bureaux d'études, je peux le faire aussi rapidement
au même moment avant que je puisse lancer les calculs. Donc je viens ici, je prends éditer les modèles. Voilà, je vais sélectionner le logo des robots que je vais remplacer. Je viens ici, je cherche d'abord le logo que moi je vais placer ici. Donc je prends ça, des Jinkunga tutoriels. Je clique sur OK. Je viens ici pour enregistrer donc les logos. OK, je ferme. Et puis je viens maintenant ici, je vais placer ça, c'est ça. OK, je confirme. C'est bon. Maintenant, je peux que lancer les calculs. Je lance les calculs. Vous allez voir ce que nous allons trouver. Voilà, donc le calcul a été bien fait. Regardez, déjà les logos apparaissent ici, les logos de Jinkunga Tutoriel. Le logo est là. Déjà inséré dorénavant. Fichération peu préjudiciable. Vous avez donc tous les éléments. Voilà, vous avez donc le plan d'exécution. Déjà, il m'a proposé l'espacement donc de 20-20. De 20-20, déjà, c'est bon. 20, c'est bon. OK. Dès que vous allez de l'autre côté, vous allez donc bien voir la suite. Voilà. Alors, si vous voulez compléter les informations au niveau des cartouches, c'est juste question de venir ici. Je viens ici, je prends propriété du projet, bureau d'études. Je mets par exemple le nom Jinkunga tutoriel. Voilà les numéros plus 243 89 578 57 57. Fax ici, je mets 001. Et puis, OK. Vous pouvez compléter même l'adresse email, tout ce que vous voulez. Voilà. Directement, ça apparaît ici. Jinkunga tutoriel. Vous avez les numéros de téléphone. Vous avez donc votre fax. Donc, tout est là. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, pour vérifier aussi d'autres éléments, je peux rentrer ici. Ici, vous aurez donc la possibilité de bien voir la note des calculs du début jusqu'à la fin. La note des calculs est là. Je descends rapidement. Voilà, vous avez donc la note des calculs. Ici, vous avez donc le ferraillage. Voilà, de la longueur dimensionnée. Voilà. C'est ça donc. La longueur dimensionnée, vous avez même l'espacement. Coupe transversale, c'est ça. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez très bien suivi. À ce niveau ici, vous pouvez vérifier aussi les chargements et tout ce qui va avec. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc la correction de ce qui a été déjà donc bien fait. J'espère que vous avez très bien suivi. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement de manière à ce que vous puissiez nous motiver de pouvoir continuer à poster des contenus. Passez une excellente journée. Au revoir.